Précédemment, dans Sketch, mon nouveau coloc. RG, t'es content d'être ici? Je suis content d'être ici. Je pensais pas qu'il était comme ça, là. Hey, je te l'avais dit, hein. C'était un bon petit gars, hein. Je vais vous parler. Ré, tu peux me tutoyer? Ok, trouver un dossier dans mon cartable d'études en mécanique automobile. Et il y a des informations personnelles. Regardant, j'ai remarqué que nous avons le même nom de famille. Trembler. Trouver un numéro de téléphone. J'ai appelé et on m'a dit que... Fini ta phrase, tu m'inquiètes. Je suis... What's up avec la famille? What's up le gang? Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une très courte que je vais faire en fait. Il y a pas longtemps j'ai reçu un invité, ton nom de Roger, qui est un étudiant en mécanique automobile. Et il m'a demandé si je pouvais l'héberger parce que ses parents ont chassé la maison suite à un changement de métier et une carrière qu'il voulait avoir et que ses parents étaient totalement en désaccord avec lui. J'ai accepté. Et il y a quelques mois que j'ai appris par lui qu'il a trouvé un dossier avec ses informations personnelles, avec les siennes. Et il avait appelé la personne en question, c'était un hôpital dans lequel on était tous les deux nés. Il s'avère qu'on est les deux nés dans le même hôpital. Ça arrive des fois qu'on n'est pas les seuls enfants qui sont dans cet hôpital, les plus autres enfants qui sont dans le poignard, on sait tous ce truc-là. Puis, il m'a annoncé qu'on avait le même nom de famille. Et que l'infirmier lui a dit que Roger et moi, nous sommes frères. Ça va être un choc de l'apprendre et je pense que ça va faire un choc également. Je vais avoir de l'aide de ma famille également, de mon cousin Sam, qui va arriver tantôt. Il y a Raymond Junior, qui est à l'université, qui va nous aider. À chaque fin de semaine, il va venir nous donner un petit coup de main. Et il y aura moi et Roger là-dessus. Et mes parents, présentement, sont partis en voyage. Donc, moi, ce qui va arriver, je vais les confronter. Ils vont répondre à toutes mes questions. Donc, mes questions qui sont simples, c'est pourquoi ils ont attendu 20 ans de me le dire. Pourquoi on va cacher son existence. Qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? Donc, j'ai plus d'autres. Je fais une grosse vidéo pour vous expliquer plus d'avantages. Mais d'ici là, c'est les 6 infos que je vais vous donner. Donc, c'est ce que je veux dire. Et nous, on se voit pour notre prochaine 8h, à Québec, 14h à la France, pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, like, comment, partage et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Ciao! Moi, c'est que j'ai une mécanique automobile. Hey, Max? Ouais? Je peux savoir c'est qui? Sam? Sam? Sam, c'est mon cousin. Donc, il est... Ouais, j'ai ça. Il est donc, c'est ton cousin aussi. Quand je lui ai dit, il a capoté. Il ne savait même pas ton existence. Je sais pas si tes parents vont être dans le coup aussi. C'est d'ailleurs ça, c'est peut-être les infos qu'ils vont nous donner. D'ailleurs, c'est un d'ado, il va venir nous aider. Surtout que Raymond qui est à l'université, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui cherche vraiment des informations qu'il cherche, ben ça va aider. Avec Sam, ça va plus aider. Donc ça veut dire que je vais apprendre à connaître? Ouais, tu vas voir. Il est très gentil. Donc d'ailleurs, il va arriver dans pas longtemps, fait que yeah, on va l'attendre. Ok. Ça va tes études, toi? Oh ouais. Salut cousin! Salut Sam! J'ai l'impression que c'est toi, Roger. Le frère de Max, c'est mon cousin. Oui, c'est moi. Est-ce que tu dis qu'on était confident de chacun? Et une autre chose que je viens d'apprendre. On se dit tout. Sam, est-ce que t'es pas installé pour Roger? Non. Hein? Hein? Mais pareil, t'es aussi une ignorance totale. Que je vais parler de Roger et aussi quand je lui ai dit qu'il était leur frère et mon cousin. Alors, ils ont agi sans que personne s'en aperçoive. Je peux pas croire. Ils sont tes parents? En voyage. Ils m'inquiètent? Je sais pas, ils sont partis plus maintenant. Donc, ils savent pas que tu as découvert que Roger fait partie de cette famille? Non, mais gars, demain, je vais les rappeler demain. Pourquoi demain?
Pourquoi tu t'appelles pas maintenant? Là, on va aller sur ton voyage d'affaires. Pour en réunion. Il s'est parti où? À Toronto. Ah, j'avais oublié. L'entreprise familiale. Donc, demain, je vais les appeler. Puis, ils vont cracher le morceau. Ok. Ça? Pourquoi t'as un gros sac à côté de toi? Ben, mes parents, ils sont partis en croisière pendant un mois. Et je pensais peut-être rester ici le temps qu'ils reviennent. Ça ne dérange pas ça. Ben non, voyons. Bien sûr, tu peux rester là. T'es mon cousin Sam. Merci. Oh. Allô? Sérieux? Ok. Ok, je m'y rends. Je vois. Okay, merci de l'info. Bye. Faut qu'on aille aux nouvelles, c'est passé quelque chose. Bonsoir. Donc hier soir, deux individus du gouvernement du Québec ont été arrêtés par la police en position de stupéfiant. Ouais, on va parler devant un juge tout seul. C'est nous parlons de ça. Donc, on va s'en voir, j'ai c'est eux. Donc, je vais tout de suite informer la police. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, Sam. Je sais pas.